Né le 27 novembre 2021, avec plus de 1000 adhérents, le Comité national pour les nouvelles adhésions du PDCI RDA en abrégé SENAP a tenu un point de presse ce vendredi 1er mars 2024 à son siège à Port-Bouy, en prélude de la caravane d'adhésion du PDCI RDA qui se tiendra du 2 au 4 mars 2024 dans la dite commune. Écoutons le message du président Papillon Doigt. Militants, militantes, sympathisants du PDCI RDA, je suis Papillon Doigt, président du Comité national pour les nouvelles adhésions au PDCI. Je voudrais ici infiniment dire merci. Un grand merci au président du parti, le président Tidiane Thiam, qui donne et redonne vie à tous ces milliers d'Ivoiriens. Je voudrais par la suite saluer un grand homme, le député maire de la commune de Port-Bouy, le vice-président du Comité d'organisation pratique des ancêtres de notre père à tous. Notre fétiche, Papa Bidi. Nous sommes là aujourd'hui pour lancer un appel. Appeler tous ces leaders de la commune de Port-Bouy. Appeler toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces jeunes qui veulent le changement. De rejoindre la caravane des nouvelles adhésions lancée par le président du parti. Cette caravane sera ici à Port-Bouy demain. Tous, nous devons être là, présents, chacun muni d'une photo d'identité, d'une photocopie de sa pièce nationale d'identité, au besoin d'une photocopie de son passeport pour venir adhérer au PDCI. Adhérons tous au PDCI pour un nouveau changement, pour redonner vie aux Ivoiriens avec le président Thiam. Je voulais donc appeler toutes les coordinations présentes dans les 52 CGQ et CGV de la commune de Port-Bouy. J'engage donc tous ces coordinateurs à faire sortir tous ces nouveaux adhérents que nous avons recensés pour que demain, tous, à la maison du parti, au QG du parti, à Port-Bouy, nous puissions venir prendre notre carte de militants. Notons qu'une conférence de presse du Comité national pour les nouvelles adhésions du PDCI RDA est prévue pour le samedi 9 mars 2024 à Port-Bouy. Je voudrais lancer un appel à tous les autres coordinateurs du district d'Abidjan. Tous, nous allons nous retrouver le week-end prochain pour une grande conférence de presse pour annoncer les objectifs prônés par le président Tidiane Thiam quant à l'adhésion massive de tous nos militants, de tous nos sympathisants, sur tout l'étendue du territoire. J'appelle donc un grand rassemblement pour une grande conférence de presse le week-end prochain. Je voudrais terminer mes propos par remercier notre mentor, notre parrain, Dr Emou Sylvestre.